Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Baudelaire est né à Paris en 1821, il y est mort en 1867. La ville parcourt son œuvre et y est, plus qu'un décor, une atmosphère, une inspiration, un monde. Yves Bonnefoy le formulait en ces termes. La grandeur propre de Baudelaire fut d'avoir compris qu'à l'occasion on ne peut plus décisive, Paris offrait à l'intuition poétique. Ce fut de se porter, à travers la foule désormais anonyme, vers ce qui y paraissait comme des visages, ce fut de s'y attacher à des êtres, à l'expérience de la présence des êtres. En 1980, pour la série « Un homme, une ville », Jean Montalbetti eut l'idée d'arpenter Paris sur les traces de Baudelaire. Dans le premier épisode de cette série qui en comptait trois, il se proposait, en compagnie de Claude Pichois, éditeur de Baudelaire dans la Pléiade, et d'Yves Bonnefoy, de cheminer sur les traces du jeune Charles, depuis le quartier latin qui le vit naître, jusqu'à l'île Saint-Louis où il établit sa première demeure, en passant par le collège de Clermont, aujourd'hui lycée Louis-le-Grand, et la pension Bailly de la rue de l'Estrapade. Un homme, une ville, Baudelaire à Paris, premier épisode, une émission diffusée pour la première fois le 23 mai 1980. Un homme, une ville. Baudelaire à Paris avec Claude Pichois par Jean Montalbetti et Pierrette Perronneau. Première émission, un dandy du quartier latin. Paris et son spleen sont au cœur de l'œuvre de Charles Baudelaire. Mais quel Paris chez le Parisien le plus nomade dont on ne finit pas de dénombrer les domiciles? Paris ancien, au cœur de la cité historique, pour cet homme tout droit issu du XVIIIe siècle? Ou Paris nouveau, des grandes percées haussmanniennes dont le poète pressent toute la mutation? Paris mystique, Paris sensuel, Paris débauche, Paris de l'ivresse révolutionnaire sur les barricades de 1848, Paris de l'ordre bonapartiste, mais toujours Paris, capitale des arts. En compagnie de Claude Pichois, professeur de littérature comparée à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, qui a édité les œuvres complètes de Baudelaire et deux volumes de correspondance dans la bibliothèque de la Pléiade, nous allons en explorer trois itinéraires qui seront autant d'incursions dans les épisodes de la vie de Baudelaire, mais surtout dans les conditions de sa création poétique. C'est tout d'abord le Paris du quartier latin, où il a passé ses 20 premières années, que nous allons évoquer. Car c'est là qu'est né le modèle du dandy, dont Baudelaire s'est fait à la fois un panache et une esthétique, avec pour morale, comme il le confesse dans Mon cœur mis à nu, avant tout être un grand homme et un saint pour soi-même. Ces années d'apprentissage de l'enfance et de l'adolescence sont celles de l'éclosion d'une sensibilité exceptionnelle portée à la méditation avec une double postulation, comme il le dit lui-même, vers Dieu et vers Satan, et la confrontation de sentiments contradictoires, un mélange explosif d'horreur de la vie et d'extase de la vie. Il faut probablement en chercher l'origine dans les racines entremêlées de la vie et de la ville de Charles Baudelaire. Claude Pichois, nous commençons cet itinéraire Baudelaire à Paris, au coin de la rue Hautefeuille et des boulevards Saint-Germain, devant le numéro 15, qui est une maison qui date de la fin du siècle dernier, où est installé un éditeur parisien. Et sur cette maison, il y a une plaque qui rappelle que en ce lieu s'élevait la maison où naquit le poète Charles Baudelaire le 9 avril 1821. C'est donc la première trace de Baudelaire à Paris. Oui. Ses parents se sont établis dans l'hôtel
qui s'élevait à cet emplacement, qui est maintenant le 15 de la rue Hautefeuille, en 1819, au moment de leur mariage. C'était une vieille maison qui avait abrité des personnages illustres, et quelqu'un qui tient de très près à la littérature, l'éditeur Le Breton, qui a été l'éditeur de l'Encyclopédie. Et il faut imaginer cette maison qui a disparu, un peu comme nous pouvons voir maintenant l'hôtel qui est au coin de l'autre rue, de ces maisons parisiennes qui se sont construites au cours des siècles par addition, transformation, remodelage, pour ainsi dire. Et cette maison a disparu en 1856, lorsque, à l'occasion des grands travaux parisiens, on a percé le boulevard Saint-Michel, et la rue Hautefeuille a donc été démantelée, puisque nous en voyons de l'autre côté du boulevard encore une partie qui est d'ailleurs qui va serpenter vers la Seine. Et il faut donc imaginer à la place de ces grands axes un enchevêtrement de petites rues, de vieilles maisons, des quartiers où logeaient aussi bien la bourgeoisie, l'aristocratie, que les artisans. Nous sommes pas loin du faubourg Saint-Germain, ne l'oublions pas. Et une vie extrêmement fourmillante, si je puis dire, mais qui avait évidemment dans ce quartier des écoles le malheur de se prêter un peu trop facilement aux émeutes. Et on a toujours dit qu'une des raisons qui justifiait les travaux d'Haussmann était de permettre par les grands axes de déblayer la foule s'il était nécessaire par des charges de cavalerie. À l'époque où naît Baudelaire en 1821, Paris est une localité à peu près de combien ? 1,5 million d'habitants ? À peu près 1 million d'habitants, je crois. Groupés autour de la Seine encore, puisque très rapidement, lorsqu'on quitte le quartier latin, on se trouvait alors dans des champs avec des maisons qui ressembleraient à des pavillons de banlieue. La ville était donc surpeuplée, mais autour de la Seine, disons de la chaussée d'Antin au faubourg Saint-Germain et à l'est jusqu'à la Mouffe. Et alors, quelle est un petit peu la sociologie de ce quartier ? Je pense que la composition en était mêlée. Nous touchons, comme je le disais, au faubourg Saint-Germain, mais d'autre part, c'est le quartier des écoles, donc nous pouvons imaginer qu'il y a professeurs et étudiants qui logent ici, et certainement beaucoup d'artisans. Est-ce qu'on sait pour quelles raisons le père et la mère de Baudelaire viennent s'installer ici en 1819 ? Non, mais je ne vois qu'une supposition, c'est que le père connaissait bien ce quartier. Il avait été l'un des chefs de l'administration du Sénat, donc le Luxembourg étant proche, il avait sans doute choisi un logement pour sa femme et dans l'espoir d'avoir un enfant. Il pouvait d'ailleurs loger aussi son fils d'un premier mariage, Alphonse, qui va ne pas entretenir de bonnes relations avec son cadet. Nous arrivons ici au bout de la rue Hautefeuille, c'est-à-dire presque à la rue de l'école de médecine. Et nous sommes devant cet hôtel admirable qui a été restauré d'ailleurs au cours des dernières années, qui a un pignon sur la rue qui, par une poivrière, donne aussi sur la rue Pierre-Sarrazin. Nous allons entrer pour nous abriter un petit peu des bruits de la circulation. C'est un très bel hôtel 17e. Et on peut imaginer l'hôtel qu'ont habité les Baudelaire sur le modèle de celui-ci, mais je pense qu'il était beaucoup plus modeste, sombre et oui. Modeste. Oui. Là, il s'agit d'une très belle maison qui est sur trois niveaux, un rez-de-chaussée et deux étages. Et il y a ensuite des chiens assis sur le toit. Et il y a une cour intérieure composée de bâtiments de trois côtés et des arcades au rez-de-chaussée, qui souligne les portes et les fenêtres. C'est évidemment une construction en pierre de taille. Mais ce qui donne bien l'impression du 17e, c'est d'ailleurs l'étage noble, n'est-ce pas ? Il y a un seul étage qui compte, c'est l'étage intermédiaire. Dans le rez-de-chaussée, au-dessus, déjà quelque chose de plus modeste. Alors, en 1821, le père de Baudelaire, François Baudelaire, est un homme de 62 ans. C'est déjà vraiment un vieillard. Alors qu'au contraire, la mère de Baudelaire lorsque est très les jeune, elle a 26 ans. Lorsque Joseph-François Baudelaire épouse Caroline Dufay, il a, lui, 60 ans et elle, 24 ans.
et elle le voit réellement comme un vieillard. Un vieillard plein de bonnes manières, courtoises, mais un vieillard. Et si elle épouse ce vieillard plutôt que d'épouser un homme jeune, c'est qu'elle est orpheline et qu'on lui a conseillé, ses tuteurs lui ont conseillé d'épouser cet homme qui a fait une assez belle carrière et qui a beaucoup de gentillesse dans les rapports sociaux et dont on peut escompter qu'il sera pour cette jeune fille un très bon mari. Le père de Baudelaire va mourir assez vite puisqu'il meurt en 1827. Donc Baudelaire avait 6 ans. Est-ce que son enfance, puis plus tard son âge adulte, a été marquée par l'absence justement de ce père ? Lorsqu'il mourut, il ne semble pas que Baudelaire ait éprouvé un grand chagrin. Nous n'avons pas de traces. Et plutôt, ce que nous constatons, c'est l'amour très fort, l'amour passionnel que Baudelaire voue à sa mère. Il y a peut-être une trop grande différence d'âge entre le père et le jeune Charles pour qu'il y ait entre eux des relations très étroites. Et ce père était peut-être plutôt un grand-père, ce qui, à cet égard, aurait pu épargner le complexe d'Édipe au fils. Ce personnage qui a une véritable vie d'aventurier, il est d'abord prêtre, je crois. Oui, de pas une vie d'aventurier, je dirais que ça ressemble à la vie de beaucoup de Français qui ont traversé des crises, et la plus grave de toutes ces crises étant la Révolution. Il a commencé comme ont commencé les enfants de familles modestes, puisqu'il avait des dons. On l'a fait étudier dans un séminaire, il est devenu prêtre. Mais c'était peut-être un prêtre sans vocation. Il appartenait à une communauté enseignante, la communauté de Sainte-Barbe, et devenu prêtre, il est devenu aussi le précepteur des enfants du duc de Choiseul-Praslin. Il s'est occupé de ses enfants avec beaucoup de conscience et beaucoup de talent, et on a conservé un recueil de figures coloriées par lui, et chaque figure représentant un mot latin. Et ce volume a dû servir ensuite à l'éducation du fils du premier mariage, Alphonse Baudelaire. Et peut-être quelques mots latins ont-ils été ainsi montrés par Joseph-François Baudelaire à son fils Charles, mais on n'est pas sûr qu'à 6 ans, Charles eut déjà assez de choses pour s'intéresser au vocabulaire latin. Il a été, le père de Baudelaire, il a été mêlé aussi à la société des encyclopédistes, à la société des idéologues, donc à cette dernière génération des grands philosophes, entre guillemets, et on dit qu'il a été du dernier bien avec Madame de Condorcet. Il avait été d'ailleurs l'ami de Condorcet et il a pu témoigner de la mort de Condorcet, cette mort par suicide, grâce à laquelle Condorcet échappait vraisemblablement à l'échafaud. Donc imaginez, lorsqu'on a retrouvé la douceur de vivre, au début du directoire ou déjà sous la convention thermidorienne, il faut imaginer cet homme qui avait été prêtre, mais qui avait pris auprès des Choiseul-Praslin des manières, un ton, un goût aussi. Il faut l'imaginer à la fin du siècle, au fond tout prêt à devenir un autre personnage. Et en effet, une carrière va s'ouvrir à lui, mais il a des amis, et ses amis le recommandent au lieu, si bien qu'il va devenir chef de la questure du Sénat. Et c'est lui qui va avoir pour mission de commander les statues dont seront ornés les jardins du Luxembourg. Puis, comme il a quelques dons de peintre, de petits dons, il s'adonne à la peinture, ou plutôt au pastel, pour son propre plaisir. Baudelaire dira « Mon père était un détestable artiste, mais il a... » Est-ce qu'on en a encore artiste. Des témoignages? Oui, non loin d'ici, dans une des grandes librairies de Paris, on peut voir un pastel, un sujet mythologique, dans ce goût du XVIIIe siècle finissant, qui est aussi le goût de l'Empire, qui montre bien à la fois les qualités et les défauts de cette œuvre. Et ce lien avec le XVIIIe siècle me semble essentiel parce que, par son père, Baudelaire s'enracine au cœur même du 18e. Le père est né en 1759. Il restera toujours en l'esprit de Baudelaire les traces de ce 18e, ce 18e classique. Les traces de l'Ancien Régime ? Les traces de l'Ancien Régime, mais aussi, je dirais, les traces d'un goût, les traces d'un style qui appartiennent à ce classicisme triomphant. Et c'est cela qui va faire de Baudelaire un poète si original, c'est qu'il aura à la fois des goûts modernes et une tradition ancienne.
En venant de la rue Hautefeuille, donc de l'endroit où est né Baudelaire et où il a passé les toutes premières années de son enfance, et en nous rendant vers la place Saint-André-des-Arts et la rue Saint-André-des-Arts où il s'installe ensuite avec sa mère après la mort de son père, oui. Nous passons ici devant la rue des Poitevins. Et à propos de la rue des Poitevins, nous avons dans l'œuvre de Baudelaire, dans Morale du Joujou, l'un des souvenirs d'enfance probablement les plus anciens. Et parmi les plus agréables, car en effet, il était reçu dans un hôtel de la rue des Poitevins où on le comblait de gâteries et de jouets. C'était l'hôtel d'une grande dynastie d'imprimeurs-éditeurs qui a marqué sa place dans l'édition française au XVIIIe et même au XIXe siècle, la famille Pankouk. Il y a bien des années, combien je n'en sais rien, cela remonte au temps nébuleux de la première enfance, je fus emmené par ma mère en visite chez une dame Pankouk. Était-ce la mère, la femme, la belle-sœur du Pankouk actuel? Je l'ignore. Je me souviens que c'était dans un hôtel très calme, un de ces hôtels où l'herbe verdit les coins de la cour dans une rue silencieuse, la rue des Poitevins. Cette maison passait pour très hospitalière, et à de certains jours, elle devenait lumineuse et bruyante. Je me rappelle très distinctement que cette dame était habillée de velours et de fourrure. Au bout de quelque temps, elle dit « Voici un petit garçon à qui je veux donner quelque chose afin qu'il se souvienne de moi. » Elle me prit par la main et nous traversâmes plusieurs pièces. Puis elle ouvrit la porte d'une chambre où s'offrait un spectacle extraordinaire et vraiment féerique. Les murs ne se voyaient pas tellement ils étaient revêtus de joujoux. Le plafond disparaissait sous une floraison de joujoux qui pendaient comme des stalactites merveilleuses. Le plancher offrait à peine un étroit sentier où poser les pieds. Il y avait là un monde de jouets de toute espèce, depuis les plus chers jusqu'aux plus modestes, depuis les plus simples jusqu'aux plus compliqués. « Voici, dit-elle, le trésor des enfants. J'ai un petit budget qui leur est consacré. Et quand un gentil petit garçon vient me voir, je l'amène ici afin qu'il emporte un souvenir de moi. Choisissez. » Et alors la morale du joujou, c'est que, évidemment, spontanément, l'enfant se saisit du plus beau des joujoux. Et sa mère le retient parce qu'elle trouve qu'il manque un peu de délicatesse. Et elle l'incite à prendre au contraire un joujou de... Plus modeste. Plus modeste, très modeste, de peu de prix. Et finalement, il va lui choisir un joujou intermédiaire, c'est-à-dire ni le plus beau, ni celui qui a le moins d'intérêt, mais finalement qui ne lui donne pas satisfaction. Nous ne quittons pas le même quartier, ce quartier qui est compris entre l'actuel boulevard Saint-Germain et la Seine, puisque nous sommes entre le carrefour Bussy et la place Saint-André-des-Arts, dans la rue Saint-André-des-Arts, devant cette fois le numéro 50 de la rue Saint-André-des-Arts, qui est l'ancien numéro 58 du temps de Baudelaire. C'est une maison directoire, assez belle, assez rigoureuse. Et c'est là que vient s'installer la mère de Baudelaire en 1827, tout de suite après la mort du père de Charles Baudelaire. Oui, lorsque le père est mort, il a fallu faire un inventaire. Il devait y avoir une répartition entre le fils du premier lit et d'autre part Madame Veuve Baudelaire et le jeune Charles. Et je pense que les ressources familiales étaient insuffisantes pour permettre à la veuve et à l'enfant de conserver l'appartement de la rue Hautefeuille où ils avaient vécu. Ils sont donc venus s'établir ici et vraisemblablement avec Alphonse qui faisait des études de droit, devint avocat et sera finalement juge à Fontainebleau. Ils ont vécu quelques mois dans cette maison du 50 de la rue Saint-André des Arts, ARCS et non pas ARTS. Et Baudelaire, lorsqu'il écrit le nom de cette rue, il écrit toujours avec un C. ARCS. Et ils vont ensuite loger un peu plus loin sur ce qui est la place Saint-André des Arts. Mais ils restent à l'intérieur du même quartier. En effet, nous sommes à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres de la maison natale. Si vous voulez, nous allons regarder un petit peu comment est cet immeuble à l'intérieur. Une porte de bois avec une sorte de grille en fer forgé, avec des losanges
Et derrière, une vitre. Oui, je dirais que c'est rigoureux au point d'en paraître presque janséniste. Tout à fait. Et là, cette entrée vraiment est certainement telle qu'elle était au moment de la construction de la maison. Il y a un escalier de pierre avec une rambarde extrêmement rectiligne qui est certainement l'escalier d'origine. C'était donc une maison relativement neuve qui avait été construite quelques années auparavant sous le directoire, mais en même temps qui est assez modeste d'aspect. Oui, par rapport à ce qu'on peut imaginer qu'était l'hôtel dans lequel naquit Baudelaire. Dans la très très belle lettre que Baudelaire adresse à sa mère, qui est la lettre du 6 mai 1861, où il fait une sorte de bilan de leur rapport, il a une pensée très, très douce, très tendre pour cette période de la rue Saint-André-des-Arbres. Il dit notamment « ça a été pour moi le bon temps des tendresses maternelles ». Et il a cette espèce de cri du cœur qui indique la violence des sentiments qu'il lui portait, puisqu'il lui dit « tu étais uniquement à moi ». Ça a été la période bénie où elle était à la fois la veuve de son père et elle n'était pas encore Madame Aupic. Oui, uniquement à moi, apparemment. Car ce que l'on a appris depuis lors nous laisse penser que des relations se sont très tôt liées entre Madame Veuve Baudelaire et le commandant Aupic, relations qui furent très rapides, puisque quelques mois plus tard, le commandant devait demander au ministre de la guerre l'autorisation de se marier, et que Madame Aupic alla en 1828 accoucher d'un enfant mort-né dans un hameau près de Creil. Mais Baudelaire pouvait croire que sa mère était en effet tout à lui à ce moment-là, alors qu'elle n'avait Dieu peut-être que pour le brillant commandant. Avez-vous quelquefois aperçu des veuves sur ces bancs solitaires, des veuves pauvres? Qu'elles soient en deuil ou non, il est facile de les reconnaître. D'ailleurs, il y a toujours dans le deuil du pauvre quelque chose qui manque, une absence d'harmonie qui le rend plus navrant. Il est contraint de lésiner sur sa douleur. Le riche porte la sienne au grand complet. Quelle est la veuve la plus triste et la plus attristante? Celle qui traîne à sa main un bambin avec qui elle ne peut partager sa rêverie? Ou celle qui est tout à fait seule? Je ne sais. Mais ce jour-là, à travers ce peuple vêtu de blouses et d'indiennes, j'aperçus un être dont la noblesse faisait un éclatant contraste avec toute la trivialité environnante. C'était une femme grande, majestueuse, et si noble dans tout son air que je n'ai pas souvenir d'avoir vu sa pareille dans les collections des aristocratiques beautés du passé. Un parfum de hautaine vertu émanait de toute sa personne. Son visage, triste et amaigri, était en parfaite accordance avec le grand deuil dont elle était revêtue. Elle aussi, comme la plèbe à laquelle elle s'était mêlée et qu'elle ne voyait pas, elle regardait le monde lumineux avec un œil profond, et elle écoutait en hochant doucement la tête. Singulière vision. À coup sûr, me dis-je, cette pauvreté-là, si pauvreté il y a, ne doit pas admettre l'économie sordide. Un si noble visage m'en répond. Pourquoi donc reste-t-elle volontairement dans un milieu où elle fait une tâche si éclatante? Mais en passant curieusement auprès d'elle, je crus en deviner la raison. La grande veuve tenait par la main un enfant comme elle vêtu de noir, et si modique que fût le prix d'entrée, ce prix suffisait peut-être pour payer un des besoins du petit être, mieux encore une superfluité, un jouet. Et elle sera rentrée à pied, méditant et rêvant, seule, toujours seule. Car l'enfant est turbulent, égoïste, sans douceur et sans patience. Et il ne peut même pas, comme le pur animal, comme le chien et le chat,
servir de confident aux douleurs solitaires. Baudelaire, le spleen de Paris. Qui est sur la rue Saint-Jacques, nous avons au fond du hall toute une partie vitrée qui ouvre sur la cour d'honneur, et autour de cette cour d'honneur du lycée Louis-le-Grand, nous avons là les bâtiments les plus anciens, c'est-à-dire ceux du collège de Clermont, alors que l'autre partie du lycée, c'est-à-dire les deux ailes, dont l'aile de droite est occupée par la cour Victor Hugo, qui est la cour du petit lycée, des classes de seconde et première, alors que l'aile de gauche, la cour Molière, qui a été élève du collège de Clermont, est occupée par les classes du grand lycée, c'est-à-dire à partir des classes de terminale, philo, mathélème, et également les classes préparatoires aux grandes écoles. Il est assez difficile de recréer l'atmosphère dans laquelle a vécu Baudelaire. Le lycée dans lequel il se trouvait, le collège Louis-le-Grand où il était élève, était cette partie ancienne. Oui, les deux corps de bâtiment qui bordent la cour d'honneur perpendiculairement à la rue Saint-Jacques sont la partie ancienne, et c'est ici que, et ici seulement qu'on peut l'imaginer. Il y a deux tours, une de chaque côté. Au sommet de l'une d'elles, il y a une horloge, et de l'autre côté, il y a tout un ensemble de cadrans solaires avec des inscriptions en latin. Madame Marie Bigaga, vous êtes la bibliothécaire ici au lycée Louis-le-Grand. Nous sommes dans une pièce d'ailleurs entourée de meubles de bibliothèque anciennes qui sont grillagés avec beaucoup de documents. Est-ce que ça veut dire que le lycée Louis-le-Grand garde presque depuis son origine, c'est-à-dire le collège de Clermont, les archives, toutes ces archives, et alors que je crois d'habitude on les trouve aux archives départementales? Oui, le lycée a réussi à garder une partie de ses archives tout au moins, et étant donné le nombre d'élèves devenus relativement célèbres, nous tenons beaucoup à nos archives et nous en occupons très sérieusement. Alors nous nous intéressons évidemment à Baudelaire qui a été élève ici. Quels sont les documents que vous avez pu retrouver dans les archives du lycée? Eh bien, un ou deux registres d'inscription, prouvant donc son inscription au lycée Louis-le-Grand, des registres d'appréciation, la copie des correspondances échangées entre le lycée et le beau-père de Baudelaire, le colonel Aupic, en particulier au moment de l'exclusion de Baudelaire pour indiscipline, la copie de sa composition de vers latin au concours général où il a été second prix. Je pense que c'est à peu près tout. Et les palmarès des deux ans qu'il a passé dans cette maison, où il a eu un certain nombre de prix, plus littéraires que scientifiques d'ailleurs. En mars 1836, Baudelaire arrive ici comme interne au collège Louis-le-Grand. Où en est-il de ses études qu'il a commencées au collège royal de Lyon? Bien, à Lyon, il est en seconde. Et il compte, arrivant à Paris, où son père vient d'être nommé à la première division militaire, il compte entrer en seconde. Mais on s'aperçoit qu'à Lyon, les mathématiques commencent plus tard, il lui faut donc rétrograder, et c'est en troisième qu'il entre. Il va donc passer trois années scolaires et demie à Louis-le-Grand, sa troisième redoublée pour partie, de mars à août 1837, puis la seconde, la rhétorique et la philo. Les deux premières années, il vivait chez ses parents, il était externe. Puis, il a été mis à l'internat de Louis-le-Grand, et l'on peut considérer que pour la dernière année, c'était une mesure de répression.
étant donné sa conduite, qui est jugée souvent défectueuse, étant donné aussi alors, le goût qu'il avait de la vie et qu'il pouvait satisfaire en sortant du lycée, que bien entendu l'internat l'empêchait de satisfaire. C'était un élève brillant ? C'est un élève inégal, si l'on en juge par les appréciations. Je vois en 1800... Vous avez un registre, justement, avec des appréciations sur les élèves. En 1838, je vois qu'au cours de M. Tillet, professeur de physique, on le note comme fort distrait et que l'on apprécie son travail comme étant nul. Au contraire, en philosophie, dans le même registre et pour la même année 1838, on le voit bien noté, assez bon, mais le professeur, en regard de son nom, alors que d'autres sont notés vraiment faibles, d'autres annotations peuvent être trouvées pour 1838 encore, pour le cours de mathématiques élémentaires. Conduite passable, travail sans résultat, d'après les réponses peu satisfaisantes. Donc c'est un vrai littéraire, il est mauvais en physique et mauvais en maths, mais les prix dont on a parlé, les distinctions en concours général, prouvent qu'il a acquis ici de très profondes et réelles connaissances du latin et du français, et même du grec. Il y a également un palmarès ici, qui commence à partir de la classe de seconde, où on le voit mentionné. Par exemple, il a obtenu un deuxième prix en thème latin, en classe de seconde. Et en rhétorique, 1837-1838, il ne figure pas parmi les élèves primés, mais dans la liste des élèves qui ont le plus approché des prix. Il est cité là en cinquième position. Et enfin, il obtient en classe de rhétorique, chez le professeur Rine, le premier prix des nouveaux, en 1838-1839. Donc malgré tout, c'est un élève assez brillant dans les domaines littéraires. Oui, mais déjà son caractère, ce qu'il y a d'arbre dans son caractère, se fait remarquer, puisque une annotation de mars 39, avant que ne se produise le grand éclat qui le fera renvoyer, l'un de ses professeurs note que Baudelaire a repris depuis quelques jours ses allures pleines de bizarrerie. Et il ajoute « J'étais obligé de lui infliger plusieurs punitions fort sévères. Il est fâcheux que cet élève, après avoir suivi la bonne voie depuis le commencement de l'année, s'amuse à donner un mauvais exemple. » Alors, élève indiscipliné, est-ce qu'on peut dire que le dandy naît au lycée Louis-le-Grand ? Peut-être pas le dandy, mais l'homme de caractère et de mauvais caractère, et surtout... l'homme qui est habité par le démon de l'indépendance. C'est ce qui provoque l'incident du 18 avril 1839. Nous avons ici, dans les registres du lycée, la copie de la lettre qui a été adressée par le directeur du lycée Louis-le-Grand au colonel Aupic sur l'élève Baudelaire. Cette copie, donc, datée du 18 avril 1839. « Monsieur, ce matin, monsieur votre fils, sommé par le sous-directeur de remettre un billet qu'un de ses camarades venait de lui glisser, refusa de le donner, le mit en morceaux et l'avala. Mandé chez moi, il me déclare qu'il aime mieux toute punition que de livrer le secret de son camarade. Et pressé de s'expliquer, dans l'intérêt même de cet ami, qu'il laisse exposer aux soupçons les plus fâcheux, il me répond par des ricanements, dont je ne dois pas souffrir l'impertinence. Je vous renvoie donc ce jeune homme qui était doué de moyens assez remarquables, mais qui a tout gâté par un très mauvais esprit dont le bon ordre du collège a eu plus d'une fois à souffrir. Veuillez agréer, monsieur, et la signature du directeur. » Donc on voit là ce mélange de qualité scolaire, de l'élève brillant et en même temps de l'indiscipline. Des intellectuels, oui, et d'une profonde indiscipline qu'il va conserver toute sa vie et qui lui permettra précisément d'être indépendant dans les circonstances les plus gênantes. Nous sommes en avril, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, le baccalauréat se passe seulement au mois d'août, dans la plus forte chaleur. Et Baudelaire va être mis, non pas en pension, mais va être confié à un jeune homme qui a fait des études de philosophie, qui va devenir un des plus grands aliénistes français, le jeune Lassègue, et il va passer assez bien son baccalauréat au mois d'août, malgré le renvoi au mois d'avril. Et ce renvoi du lycée Louis-le-Grand ne l'a pas coupé complètement des études ?
Non, ne l'a pas coupé des études puisqu'il passe son baccalauréat et qu'ensuite il va s'inscrire à l'école de droit, mais ce seront des inscriptions plus formelles que réelles. En tout cas, le conflit avec le colonel Aupic est commencé certainement au moment où le renvoi a lieu. Nous essayons de retrouver un petit peu ce qu'était l'atmosphère du quartier latin à l'époque où Baudelaire est devenu étudiant, c'est-à-dire à partir de 1839. Et nous avons parcouru quelques-unes des rues qui se trouvent derrière la place du Panthéon. Notamment, nous sommes à proximité de la rue de l'Estrapade, avec à notre gauche, au fond, la place de l'Estrapade. Et c'est là que Baudelaire va s'installer à partir de 1839. Il vient de s'inscrire à la faculté de droit et il habitera dans une pension au 11 rue de l'Estrapade qui malheureusement maintenant est un immeuble qui n'existe plus. Non, en fait il n'a pas habité dans cette pension, il y allait voir ses amis qui formaient un petit groupe d'étudiants venus de Picardie, de Normandie, d'autres provinces et c'est ce qu'on appelait la pension Bailly. Bailly est l'évêque. Bailly est l'évêque, oui, et Bailly est lié de très près à la fondation de la conférence ou des conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Alors là, ses camarades qui étaient provinciaux logeaient, lui-même venait les voir, mais il n'habitait pas avec eux. Et il a donc... Cette ruelle où nous sommes d'ailleurs est très provinciale. Oui. Il y a des pavés très inégaux et où il y a des maisons assez basses, même en face de nous un bâtiment avec un seul étage. Oui, ce qui est assez rare dans ces... Dans ces quartiers de Paris, celui-ci c'est le versant oriental de la montagne Sainte-Geneviève, qui a encore un côté un tout petit peu champêtre. Et Baudelaire ici, au fond, menait plutôt la vie de l'étudiant qu'il ne suivait les cours de l'étudiant, car les inscriptions prises à la faculté de droit sont plutôt des justifications donnée à la famille entre le moment où il a son baccalauréat et le moment où on va constater que réellement il ne fait rien et qu'il ne passe pas les examens de droit qu'il devrait passer. Mais il mène joyeuse vie avec des camarades. Quels sont les amis qu'il rencontre ici? Bien, Poiron qui est d'Abbeville, qui est venu faire ses études de droit à Paris, Levavasseur qui est normand, qui est aussi venu faire des études de droit, quelques autres, et ils ont constitué un petit groupe que l'on appelle l'école normande, bien que Poiron, qui en est l'un des meilleurs représentants, soit Picard. Qui sont des poètes. Ce sont des poètes, oui, et qui pratiquent la rime riche, les acrobaties verbales, tout cela est très proche de Théodore de Banville. Il y a un portrait de Baudelaire qui est fait à ce moment-là, on le décrit comme mince, le cou dégagé, un gilet très long, des manchettes intactes, une légère canne à pommeau d'or à la main et d'un pas souple, lent, presque rythmique. C'est déjà tout à fait le dandy. Oui, c'est même un personnage qu'il se constitue et ce sont des mois très, très agréables pour lui qui vont se solder malheureusement par une condamnation. Condamnation à partir en voyage, mais il faut d'abord l'imaginer dans ses premières relations littéraires, humant un peu l'air de Paris, cherchant dans quelle direction il va orienter sa poésie, car il se devine poète, mais il fait des vers comme le font ses amis, c'est-à-dire un peu au hasard. Et la vocation est seulement en train de se définir, de se déterminer. C'est aussi dans ce quartier latin qu'il va avoir le premier contact probablement avec la prostitution, et notamment c'est là qu'il rencontre la prostituée Sarah, dite Louchette. Oui, c'est évidemment une expérience importante dans sa vie. Cette expérience va le déterminer sans doute dans son choix du mal. Mais je crois qu'il est encore très joyeux à ce moment-là et qu'il ne voit pas les conséquences de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Il va falloir le beau-père pour le rappeler à l'exigence du devoir avec un D majuscule, d'autant qu'on lui préparait une carrière de diplomate. Mais pour cela, il fallait au moins avoir fait quelques études de droit. Et c'est ce que Baudelaire se refuse à faire à partir du moment où il voit que sa majorité approche et majorité qui va lui permettre de disposer d'une partie de la petite fortune que lui a laissée son père.
Est-ce que c'est ici qu'il va contracter cette maladie vénérienne dont finalement il va mourir? Ou est-ce qu'au contraire, quand il parle dans sa correspondance d'un certain nombre de manifestations, justement, à ce niveau-là, il ne s'agit que d'atteinte bénigne? Oui, il y a eu deux étapes. Avant le voyage, disons 39-40, une atteinte bénigne. Et c'est au retour du voyage, vraisemblablement, que la syphilis l'atteindra, et peut-être moins gravement d'ailleurs qu'on l'a prétendu. Mais cela fait partie des accidents de la vie à cette époque-là, et le mal du siècle, ce n'est pas la mélancolie, c'est au contraire les maladies vénériennes. Il suffit de penser à Nietzsche et à Maupassant pour en avoir d'autres exemples. Une nuit que j'étais près d'une affreuse juive, comme au long d'un cadavre, étendu, je me pris à songer près de ce corps vendu, à la triste beauté dont mon désir se prive. Je me représentais sa majesté native, son regard de vigueur et de grâce armé, ses cheveux qui lui font un casque parfumé et dont le souvenir pour l'amour me ravive. Car j'eusse avec ferveur baisé ton noble corps, et depuis tes pieds frais jusqu'à tes noires tresses, dérouler le trésor des profondes caresses, si quelque soir d'un pleur obtenu sans effort, tu pouvais seulement, ô reine des cruelles, obscurcir la splendeur de tes froides prunelles. Baudelaire, les fleurs du mal. Cette époque du Quartier Latin, c'est aussi le moment où il va rencontrer Balzac et Nerval. Oui, il les rencontre un peu comme peut-être le paysan rencontre le roi Louis XIV, mais il a de brefs contacts avec eux. Ses vraies liaisons littéraires seront nouées après le voyage. Là, il explore un peu Paris, il lui arrive de rencontrer et de croiser Balzac. Cela ne suppose pas des relations intimes, des relations amicales. Quelles sont ses admirations littéraires à cette époque? Bien, je crois Balzac. Je crois Sainte-Beuve et aussi Victor Hugo. Et certaines de ses admirations ne tiendront pas à l'esprit critique qui va l'animer. Mais le Victor Hugo de Marion Delorme, par exemple, est pour lui un très grand poète. Je crois que son admiration pour Balzac, malgré quelques taquineries, n'a jamais cédé. Quant à Sainte-Beuve, il a reconnu en lui, non pas le critique que nous connaissons, mais le poète de Paris, qui va lui ouvrir précisément un certain nombre de directions dans lesquelles il va s'avancer beaucoup plus loin. Mais il ne faut pas oublier que Sainte-Beuve a eu ce côté prosaïque dans sa poésie que Baudelaire a pu rechercher ensuite. Nous nous promenons dans une allée du jardin anglais du Luxembourg, jardin soigneusement entretenu. En ce moment, on est en train de tailler les buis, les lauriers. Les troènes. Et c'est probablement dans ce jardin de Luxembourg que Baudelaire a un des souvenirs les plus anciens de son contact avec son père. Il venait se promener là avec son père. Oui, la tradition familiale rapportée par Madame Houpic veut que le père Baudelaire ait accompagné son jeune enfant et qu'il lui ait montré les statues qui déjà se trouvaient dans ce jardin. Et c'est à partir de ce souvenir que l'on fait remonter au père de Baudelaire et à cette enfance, ces 5 années et demie que Baudelaire a passé avec son père, c'est là que l'on fait remonter donc la passion de Baudelaire pour les images. Que ce soit légendaire ou que ce soit vrai, peu importe, il est certain que Baudelaire a été parmi nos écrivains, parmi nos poètes, l'un de ceux qui ont le plus aimé les images au sens de représentation plastique.
Et il est revenu plus tard aussi au Luxembourg. Il a dû y revenir. Étudiant. Là, oui, étudiant. Nous évoquions tout à l'heure l'école normande à la pension Bailly, mais il rencontrait ici un autre groupe de poètes, parmi lesquels se trouvaient Théodore de Banville et Pierre Dupont. Et Théodore de Banville a célébré le Luxembourg et plusieurs fois, et notamment dans un poème commémoratif. Et il a pu, plus tard, voir dans ce jardin des statues qui sont dues à l'un de ses amis, le sculpteur Préaux, qui a été sans doute un des sculpteurs les plus originaux du XIXe siècle. Et il y a une Clémence Isaure, non loin d'ici, je crois, qui est due au ciseau de Préaux. Bien, nous sommes en train de longer ici la rue Auguste-Comte, c'est-à-dire nous sommes exactement en face de l'entrée du lycée Montaigne. Et à proximité de la rue, juste en face de l'entrée du Luxembourg, qui fait face au portail du lycée Montaigne, il y a une statue de pierre avec le buste de Baudelaire. Oui, buste dû au sculpteur Fix Massot et qui, je crois, rend assez bien l'image que l'on peut se faire de Baudelaire lorsqu'on a consulté toutes les images vraies qui nous sont parvenues de lui, toutes les images dues à la photographie, au crayon. C'est une statue de pierre où Baudelaire est à peu près à 3 ou 4 mètres de haut, assez élevé, et le buste va jusqu'à peu près la ceinture. Il est engoncé dans une redingote qui monte jusqu'au cou, qui est boutonnée jusqu'au cou, et il y a une cravate ou une lavalière, un nœud en tout cas assez large, qui déborde du col de la redingote. Il a une main passée sous le vêtement et une pose de méditation qui ressemble à l'une des photographies prises par Nadar. Oui, et je crois que tel qu'il nous regarde actuellement, il est assez ressemblant, mais peut-être le sculpteur lui a-t-il donné un air trop souriant. Il y a aux lèvres, à la commission des lèvres, un peu d'amertume, à mon avis, qui manque. Il est vrai que les vers qui ont été gravés sur le socle qui supporte le buste sont plutôt des vers apaisants. Il vient mourir au bord de votre éternité. Non, de notre dignité. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Nous sommes sur les quais de la Seine, dans l'île Saint-Louis. Il y a une péniche là qui est en train de passer en ce moment. Et nous sommes venus devant l'actuel 22 quai de Béthune, qui à l'époque de Baudelaire était le numéro 10 du quai de Béthune, où il arrive au printemps de 1842. Ça va être son premier domicile. C'est une très belle maison. Je crois que la location de la chambre qu'il va occuper au rez-de-chaussée, c'est-à-dire dans la partie gauche par rapport quand on est en face de la porte, il la loue le 28 mai 1842. Il est tout juste majeur et ça va être son premier domicile seul. Son premier domicile parisien, son premier domicile d'homme indépendant, majeur et qui jouit d'une certaine fortune, oui. Il vient d'hériter. Il vient d'hériter. Il est à peine majeur. Oui, il vient d'hériter. Il y a un mois qu'il est entré en possession de la fortune, la petite fortune de son père. Nous allons entrer dans cet immeuble et nous allons essayer de voir quel était justement le petit appartement qu'occupait Baudelaire. C'est une très belle maison. Il y a là un vaste hall avec une cour intérieure, un petit peu plus loin. Une statue d'un personnage du XVIIe siècle, très majestueux, avec sa perruque. Des colonnes,
de part et d'autre du hall, avec une lanterne Louis XVI et une cour intérieure avec de très gros pavés. Et une fontaine. Une fontaine et des portes d'écurie sur la gauche. Donc nous allons sur le bâtiment du devant. Et la porte de Baudelaire était la porte de gauche quand on entrait. Il n'y a pas de plaque sur cet immeuble du 22 quai de Béthune, non, mais non. Peut-on vous demander, monsieur, si au moment où vous êtes arrivé dans l'immeuble, vous saviez que cet appartement avait été occupé par Baudelaire? Cela nous a été dit en arrivant par notre vendeur. Oui, c'est tout. Nous n'avons pas de documents. Et donc, d'occupant en locataire ou en propriétaire, on se transmet l'information. Voilà, voilà. Par contre, nous avons remarqué que au cours des visites de l'île, souvent, nous avons entendu les guides montrer l'appartement et le dire aux visiteurs. Ce sont des vieilles dames, des retraités, je crois, d'anciens professeurs. Et chaque fois, nous les entendons montrer l'appartement. Et de temps en temps, est-ce qu'il y a des gens qui frappent à votre porte en oui. vous demandant s'ils peuvent jeter un coup d'œil pour oui. voir quel était l'appartement occupé par Baudelaire? Oui, nous avons eu dernièrement un professeur tchèque et puis une autre fois aussi un professeur polonais. Et qui, l'été, la fenêtre étant ouverte, est venu nous demander si, à regarder, à voir. En entrant dans cet appartement du 22 quai de Béthune au rez-de-chaussée, nous avons l'impression donc de nous trouver un peu sur les lieux mêmes où Baudelaire a vécu lorsqu'il s'installe donc pour la première fois en 1842, au printemps de 1842. On peut imaginer dans quel cadre il vit ? Oui, il faut même imaginer un autre cadre que celui qui est le cadre de l'île Saint-Louis actuel. C'est un lieu assez éloigné, assez difficile d'accès. Il y a au moins un péage à quitter pour gagner l'île. Et l'île est peuplée de teinturiers. On se plaint des mauvaises odeurs qui sortent des caves, peuplées d'artisans et aussi de quelques artistes qui viennent s'installer. Daumier s'est installé dans l'île Saint-Louis peu de temps après Baudelaire. Et l'île va devenir lieu de peuplement pour les artistes. Alors, il est normal que Baudelaire, qui cherche un lieu un peu exotique à l'intérieur et au cœur même de Paris, découvre l'île Saint-Louis. Mais c'est une découverte à l'époque. Et il va d'ailleurs y installer ses petites collections, car la somme qu'il a héritée de son père va être consacrée à, non seulement à une vie avec des filles, etc., mais aussi à des acquisitions de choses précieuses. Et toute sa vie, lorsque la misère sera pour lui une étreinte quotidienne, toute sa vie, il aura le goût des belles choses et des belles reliures, ces reliures que nous voyons à la collection Doucet, pour voir dans une collection particulière. Il achète donc des meubles, il achète un bahut. Je crois que vous avez des indications très précises sur les meubles. Oui, sur le mobilier qu'il a, justement. C'est un de ses amis qui nous a apporté ce témoignage. Oui, il a un lit en forme de cercueil sculpté. Oui, ça c'est le côté, alors jeune France, romantique, frénétique, oui. Un bahut, une vieille table au pied tourné. Oui, une table Louis XIII, je pense, oui. Oui, des miroirs de Venise. Et il y a également des chats. Des chats, bien entendu. Et des livres. Et dans sa bibliothèque, on voit des ouvrages de Ronsard, les œuvres de Ronsard et des poètes de la Pléiade. Oui, donc ce qui appartient à la Renaissance et aussi alors, au baroque. Ces poètes sont des portes, par exemple, dont il aime le côté coruscant. Et ses premières poésies, comme Je n'ai pas pour maîtresse une lionne illustre, vont porter la marque des poètes de l'époque baroque, notamment de Mathurin Régnier. Finalement, c'est dans cette île Saint-Louis, au début de sa vie d'adulte, qu'il aura les plus beaux domiciles. Oui. Ici, quai de Béthune, et bien entendu, à l'hôtel Pimodan. Oui, alors que plus tard, il va avoir des domiciles de plus en plus médiocres. Oui, c'est vraiment l'île Saint-Louis, l'époque de ce qu'on appelait le dandysme de Baudelaire, qui correspond d'ailleurs à un certain nombre d'écrits, mais en tout particulièrement aux deux salons de 45 et de 46. C'est alors qu'il peut évidemment affirmer ses goûts, qui sont des goûts dispendieux, qu'il ne pourra plus ensuite satisfaire. Thank you.
Yves Bonnefoy, comment est-ce que vous qui vous êtes intéressé à Baudelaire comme poète depuis le départ, puisque vous avez consacré, je crois, un mémoire, une étude à Baudelaire et Kierkegaard, tout début de votre activité, comment est-ce que vous voyez la ville, Paris, dans l'œuvre et le regard de Baudelaire? Je la vois certainement dans une position très centrale. Et je pense que pour comprendre Baudelaire et pour comprendre sa relation à Paris, il faut d'abord s'apercevoir des profondes différences qui séparent le Paris de son époque de ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand je marche dans Paris, j'ai le sentiment profond de ne pas accomplir la même expérience que Baudelaire. Nous avons maintenant une ville anonyme, une ville dominée par des signaux émis par des fonctions sociales qui ne coïncident pas avec cet univers urbain. C'est une ville d'isolement et même d'esseulement. Et elle ne se prête guère au rêve ou à cette autre expérience fondamentale de Baudelaire qui était la compassion. Au contraire, quand il écrivait, Paris était certainement un des phénomènes humains à la fois les plus extraordinaires et aussi les plus immédiates. Songez que c'était la ville de la misère la plus profonde, celle qui regroupait dans les faubourgs ces êtres qui avaient été arrachés à leur campagne et qui n'avaient donc plus le bénéfice des anciennes structures religieuses, sans pour autant former déjà une communauté vivante. En même temps, et par un contraste violemment marqué, c'était la ville des élégances les plus extrêmes du siècle, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus raffiné, de beaucoup plus mystérieux même que ce que nous connaissons dans notre époque. C'était donc aussi la ville du rêve, ville de violence, ville d'émotion et ville de rêve. Tout cela était tellement présent dans la rue, là où Baudelaire marchait, là où il a écrit ses petits poèmes en prose. Tout cela était si présent que Paris était certainement quelque chose comme le prisme à travers lequel l'expérience poétique la plus simple, l'intuition poétique la plus fondamentale, pouvait se voir grossie, révélée, déjà préparée pour l'écriture et la réflexion du poète. Ce n'est donc pas par hasard que Baudelaire s'est mis si rapidement et si profondément et jusqu'à la fin de sa vie en relation d'écriture avec notre grande ville. Et il n'était pas le seul, notez bien. Voyez comme Rimbaud lui aussi se détermine par Paris bientôt après. Pour Rimbaud, Paris, c'est la cité sainte assise à l'Occident. Elle est pour lui, comme pour Baudelaire, le lieu de contraste si violent, à la fois dans les conditions sociales et aussi dans la révélation de l'être, à travers les apparences, que ce ne peut être que le lieu du salut, si tant est qu'on puisse recevoir et assumer ce défi. Tout d'un coup, d'ailleurs, en parlant, je pense que si Baudelaire a été si malheureux à Bruxelles, c'était bien entendu parce qu'il était privé de Paris. Toute réalité qui n'était pas marquée par cette présence du prisme parisien était d'emblée comme dévalorisée à ses yeux, et d'autant plus si c'était une ville encore, une ville qui pouvait prétendre à l'être et à la fonction d'une grande ville. À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité?
ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Les fleurs du mal. Dans la mesure même où Paris s'établissait si fortement dans le champ qui sépare le luxe et la misère, le rêve et les réalités rugueuses, comme Rimbaud dira, l'infini et la finitude, toute rencontre est comme conduite à ses racines, à ses catégories les plus fondamentales, et l'on ne peut que vivre dans ces conditions, la dialectique même de notre condition, c'est-à-dire en particulier ressentir toute rencontre sur le fond du temps qui passe, du temps qui pourrait unir, et en même temps qui sépare. Quand Baudelaire écrit à propos de Paris, en fait c'est toujours à propos de rencontres qu'il fait dans Paris. Il ne parle guère, autant que je puisse m'en rendre compte, du paysage urbain. C'est toujours un être qui est là, en face de lui, pour se révéler dans Paris, certes, mais comme lui-même à travers cette loupe que je disais tout à l'heure, à travers ce prisme. C'est la passante du sonnet fameux, c'est le cygne qu'il rencontre sur le quai de la Seine, ce sont les petites vieilles qui font l'objet de son plus beau poème, peut-être, ce sont les sept vieillards, c'est Mademoiselle Bistory dans ce magnifique poème en prose. Des êtres qui, chacun, sont là sous le signe du temps qui les apporte et qui les défait. Voilà les situations qui, à chaque instant, font l'aventure de Baudelaire dans Paris. Un homme, une ville, Baudelaire à Paris avec Claude Pichois, par Jean Montalbetti. Cette première émission avait pour thème Un dandy du quartier latin, avec la participation d'Yves Bonnefoy. Les textes de Charles Baudelaire, extraits du Spleen de Paris, des Fleurs du Mal, de Mon cœur mis à nu, ont été lus par Daniel Mesguich. Prise de son Jean-Marie Charon, mixage Hervé Levaux. Réalisation Pierrette Perronneau. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 mai 1980. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».